Cheval sauté, c'était un rêve. J'avais mon parcours qui défilait exactement de la façon dont on avait prévu. Le cheval sauté, formidable. J'avais un sentiment génial. Sur l'avant-dernier, ma reine décroche. Enfin, elle décroche pas, elle casse. L'ardillon de la reine casse. Donc réception, plus de contrôle. J'essaye de guider un peu vers le dernier, mais bon, c'était vraiment pas possible. Donc j'avais encore ma reine gauche. Je prends la décision de faire une volte à gauche et j'essaye de revenir. Par chance, j'ai vraiment eu une bonne distance qui s'est présentée. J'ai serré un peu la jambe. Le cheval était formidable, il était vraiment dans le coup. Et voilà, c'est vraiment triste. Je suis vraiment navré pour mes coéquipiers. J'espère que ça va se gommer et qu'on va réussir à rattraper tout ça. J'ai essayé de lui faire sentir un peu l'enjeu. Je ne peux pas vraiment rien lui reprocher. Il y avait les distances qui sont pour lui toujours été très compliquées sur des distances courtes comme ça. Maintenant, on est au jeu. Il a fait un gros effort sur l'Auxerre après la combinaison. Voilà. Et jusqu'au bout, il a tenu. Il a fait le maxi. Le vertical où je fais faute. J'avais un petit peu le choix entre 5 ou 6 foulées. Je m'étais dit que s'il sautait bien là, se passe entre trajectoires. La sécurité, c'était quand même 6. Mais malgré tout, ça reste très court. Voilà, c'est le jeu. Mais bon, il a quand même fait le maximum. Ben oui, oui. En plus, quatrième. Alors, on sait qu'il y a encore plus d'enjeux en étant quatrième. Voilà, je suis rentré en piste pour faire sans faute, malheureusement une faute de trop et on est bien malheureux. Je pense que j'ai dû monter fort la rivière parce que Sylvana est un peu inquiète sur ce genre d'obstacles. Par le passé, elle a fait régulièrement des fautes, surtout en championnat quand les rivières sont un peu plus larges qu'habituellement. Donc j'ai monté avec beaucoup d'énergie cette rivière, on avait de la place pour l'aborder. Et voilà, elle a donné une très bonne trajectoire. Et je pense que ça a déréglé un tout petit peu la qualité de galop, la confiance, et elle a abordé l'entrée triple un tout petit peu figée. En tout cas, techniquement, j'explique la faute comme ça. Elle a vraiment un bon galop, j'arrive à rester dans les contrats de foulée. J'ai pas besoin de refaire systématiquement. Elle a vraiment, je trouve, une bonne connaissance maintenant de cette piste. Elle rentre plus sereinement que les premiers jours, mais bon, c'est 4 points de trop.